C'est une station de métro pas tout à fait comme les autres qui verra bientôt le jour à Rome. Les travaux de construction d'une nouvelle ligne dans la capitale italienne ont permis de découvrir en plein centre-ville, à moins de 10 mètres sous terre, des vestiges qui remontent au IIe siècle. Les restes d'une ancienne caserne militaire érigée sous le règne de l'empereur Hadrien, qui s'étendent sur près de 900 mètres carrés. Des tombes ont été trouvées à côté d'une quarantaine d'habitations. L'ensemble du résultat de ces fouilles devrait être visible d'ici 4 ans pour les habitués des transports en commun au nouvel arrêt en bas à Daram, situé entre San Giovanni et le Colisée.